Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans les Costières découvrir la Grenade et le Côte-du-Rhône. Nous irons chez Guillaume Reynaud pour suivre les vendanges et la confection de son vin sans sulfite ajouté. Puis, Jean-Claude Perretto nous amènera dans son verger de Grenade, un fruit dont il a relancé la culture en France. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Située au sud-est de la France, la vallée du Rhône doit sa richesse aux millions d'années qui la précèdent, lorsque le Massif central et les Alpes se sont affrontés, que la Méditerranée s'y est jetée et que les volcans y ont chanté. De cette symphonie résulte aujourd'hui un sol riche en granit, en calcaire, en silice et en argile, qui nourrit depuis des siècles les 42 000 hectares de vignes de la région. C'est ainsi qu'à Domazan, au château de Bosc, le vigneron Guillaume Reynaud cultive des raisins et les transforme en Côte-du-Rhône, une appellation d'origine protégée dont les arômes et la production sont spécifiques au terroir. Dans la même ville, Jean-Claude Perretto cultive lui aussi un fruit riche de ce que lui offre le sol, la grenade. Appelée par les provinciaux la Miugrano, qui signifie mille grains, son goût est à la fois sucré et acidulé. Aujourd'hui, c'est les vendanges au château de Bosc dans les vignes de Guillaume. Le Côte-du-Rhône est un vin d'assemblage composé de plusieurs cépages comme la Syrah, le Mourvèdre, le Marcelin ou celui-ci, le Grenache. C'est le cépage principal de l'appellation, donc on en doit en avoir 40% minimum pour les Côtes-du-Rhône village et 30% pour les Côtes-du-Rhône. Sa particularité, c'est que ça fait des vins amples, soyeux et élégants. Les différents cépages sont complémentaires. Chacun apporte son caractère et réagit à sa manière aux conditions météorologiques. Cette année, le grenache, qui donne de la volupté, a perdu son jus. Quant à la Syrah, les grappes ont mis trop de temps à arriver. La sécheresse qui a sévi tout l'été a fait qu'on a des rendements cette année très, très faibles, ce qui permet d'avoir des raisins vraiment très concentrés et des qualités de maturité qui sont vraiment optimales. Aujourd'hui, la météo est clémente pour vendanger avec cette machine qui secoue les feuillages pour détacher les baies et les récupérer. C'est l'employé de Guillaume qui s'en charge. Ça a l'air de bien se passer. La récolte est jolie, là. Les cailloux, ils te secouent pas trop? Ça va? Un petit peu. Le Côte-du-Rhône de Guillaume a une petite particularité. Il est sans sulfite ajouté, un antioxydant utilisé en œnologie pour conserver le vin et développer ses qualités sensorielles. Pourtant, le vigneron l'utilisait également il y a quelques années lorsqu'il travaillait avec son père. On a travaillé en faisant comme il faisait avant, parce que bon, il m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, donc il montrait comment il fallait faire, comment il fallait travailler en cave. Et puis après, bon, j'ai vu qu'il y avait des choses qui m'irritaient, qui me faisaient des incommodations. Donc j'ai cherché un petit peu ce que c'était, et puis on s'est rendu compte que c'était les sulfites. Donc on a essayé de trouver des solutions pour s'en séparer. Pour Guillaume, le sans sulfite commence à même le sol. Sur ce territoire, les parcelles sont couvertes de galets. Ils absorbent la chaleur du soleil la journée et la restituent le soir. La température et la maturité sont alors constantes sur la grappe, ce qui permet de maintenir la vigueur du vignoble. Ces galets ont toujours habité ces vignes et le sans sulfite ne date pas d'hier. Je suis la cinquième génération qui fait du vin. Donc c'est vrai que le fait de passer en sans sulfite, ça rappelle mes premiers arrière-grands-pères qui faisaient des vins, sans soufre et qui faisaient ça juste pour déguster. Et que des fois, quand ils avaient une petite pointe, comme ils disaient, c'est qu'il y avait un petit peu de volatile et que ça sentait un petit peu le vinaigre. Mais bon, aujourd'hui, on a les maîtrises qui permettent d'éviter ce genre de choses. Et voilà. Bon, allez. C'est aussi l'heure de la récolte pour Jean-Claude Perretto. Mais ici, pas de machine. Avec son associé, il cueille la grenade à la main et au sécateur. Ce fruit arrive à maturité au mois d'octobre. Pourtant, Jean-Claude n'hésite pas à venir un peu plus tôt pour récupérer les premières. Pour reconnaître
la maturité d'un fruit, d'abord au son. On tape dessus, lorsqu'on a ce son métallique là, qui résonne, eh bien, ça veut dire que la grenade est mûre, hein, il n'y a pas de problème. Et moi j'ai une deuxième alerte dans le verger, c'est que j'ai des écureuils qui sont là, et quand les grenades sont mûres, ben, ils commencent à les consommer. Donc voilà. Sur son terrain, Jean-Claude dispose de plusieurs variétés de grenades et il y en a pour tous les goûts. Il en existe 1200 à travers le monde, mais la plus présente en Provence s'appelle la Provence. Et il y a aussi celle-ci. Donc ça, c'est une variété qui s'appelle Mola de Elche, qui est une grenade de bouche par excellence. Donc là, on fait comme si on devait peler une orange. On coupe en dessous. On fait l'entaille à l'intérieur pour pouvoir ensuite... Ce sera plus pratique pour pouvoir l'ouvrir. Voilà. Donc là, nous avons les arilles. C'est la partie que l'on consomme. Ici, vous avez les loges. Je ne résiste pas hein, quand j'ai des grenades devant moi. C'est vraiment délicieux. La grenade est originaire d'Asie centrale et occidentale. Depuis l'Antiquité, elle a traversé le monde, les mythologies et les religions en se voyant attribuer des valeurs symboliques fortes comme la fertilité, la fécondité ou la paix. C'est par les Romains qu'elle arrive jusqu'en Provence, mais finit par disparaître à l'apparition des vignobles. Après un siècle d'absence, Jean-Claude redonne vie aux grenades et les siennes sont 100% bio. Je dirais même plus que bio, parce qu'il y a des produits qu'on pourrait mettre que je ne mets pas, puisqu'il y a zéro intrant dans ce verger. Et on a aussi, on ne travaille pas le sol. Donc le sol est vivant ici, il n'y a pas de tracteur qui passe. Et à la première pluie, tout repart, vous avez un écosystème qui est bien, qui fonctionne bien. Et ça déjà... ça m'évite beaucoup de travail, donc c'est super. Les pieds dans l'eau et la tête au soleil, c'est ainsi que doivent vivre les grenadiers. Mais cette année, la sécheresse a été rude et a nécessité une irrigation particulièrement importante. Une mauvaise surprise pour Jean-Claude quant à ses dépenses, mais qui ne semble pas nuire à la récolte. Mais la journée était bonne. C'est bon. Et la récolte, ben, pour une journée, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Allez, on y va. Après les vendanges, le raisin arrive ici pour le processus de vinification. Cela commence par le triage dans une machine qui sépare les grains de raisin des branches et des rafles. Alors la rafle, c'est ça, c'est ce qui tient tous les raisins sur la vigne. Et l'utilité de l'enlever, c'est éviter d'avoir des goûts de verdeur et des tanins non élégants. À l'aide de ces longs tuyaux, le raisin est ensuite envoyé vers les cuves où il va fermenter. J'aime bien gazer carré. L'ennemi du vin, ce sont les échanges de température trop rapides entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour cela que Guillaume utilise des cuves en béton, typiques du domaine et idéales pour les vins sans sulfite ajouté. L'avantage du béton, c'est que ça a des parois relativement épaisses et les échanges thermiques sont très longs et du coup ça évite un vieillissement prématuré du raisin. Vous avez ici une plaque en inox, c'est ce qu'on appelle les drapeaux. Ça permet de refroidir ou de réchauffer la cuve en fonction de la température souhaitée. Pour la fabrication du Côte-du-Rhône rouge, à la différence du blanc et du rosé, le raisin macère avec le jus. Même si la fermentation est synonyme d'attente, elle nécessite des interventions. Donc là, je fais un remontage. C'est-à-dire que je récupère le jus qui est en bas de la cuve, que je fais passer sur la pellicule des raisins qui, elle, est au-dessus, qui flotte. Toutes les bonnes choses sont dans la pellicule et du coup, ben, il faut faire des échanges pour avoir plus de couleurs, plus de concentration, plus d'arômes. Dès cette étape sur les échanges entre le jus et le raisin, Guillaume peut affiner le caractère de son vin. Il termine par la mise au propre, qui consiste à clarifier le jus en enlevant tous les dépôts indésirables. Déjà, quand tu vois que la mousse elle est colorée, c'est que le jus l'est aussi. Bon, ben, tu continues sur les autres après.
C'est bon ? Y a pas de soucis. Allez, je te remets l'échelle. Les Côtes du Rhône de Guillaume ont une autre particularité. Aujourd'hui, il est le premier à pouvoir revendiquer le fait de produire du vin de garde sans sulfite ajouté. C'est-à-dire que depuis 2010, ces bouteilles se conservent malgré une évolution du vin tout à fait naturel et sans antioxydants. Cela demande une exigence et un travail minutieux qu'il a mis en place avec Jean-Philippe il y a 8 ans. C'est sa sœur qui nous avait mis en contact, si mes souvenirs sont bons. Et de fil en aiguille, on a construit notre collaboration sur des liens de confiance. Et à partir de là, il y a quelques années, donc il y a 7-8 ans, assez rapidement, il a eu l'idée, qui à mes yeux était plus que saugrenue, de faire des vins sans sulfite. Et on a testé, les techniques, on a tourné en rond. Et par chance, on a défini assez rapidement des techniques de travail, en fait. Belle couleur, là, pour commencer, il y a quelques jours. Non, ça sort bien. Ça a 2 jours, non. On est, quel jour, on est vendredi ? 2 jours. 2 jours, oui, non, mais c'est pas mal. On va bien travailler en séquençage, jusqu'à 1030-1020. Pour veiller à ce que le vin soit de la meilleure qualité possible et dure dans le temps, il a fallu revoir une somme de petits détails indispensables à son élaboration. En fait, ce qui est vraiment important, c'est la dynamique de la fermentation, comment elle se passe, les températures, on joue sur des créneaux de température, on joue sur la dynamique des populations levuriennes. C'est un travail qui est prenant et qui plus est, une fermentation va durer 10 jours. C'est-à-dire qu'en 10 jours, il faut rester concentré sur ce qu'on fait, on n'a surtout pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que jour et nuit, le milieu fermentaire, qui est essentiellement des levures, elles agissent en fait. L'observation est primordiale. Guillaume et Jean-Philippe sont attentifs à la couleur, au goût, à l'odeur. Un travail nécessitant une perpétuelle remise en question, mais qui porte ses fruits. Ça a l'air d'aller, chapeau joli. Ouais. Belle couleur, ça fermente, une bonne odeur. Parfait. Ok, on a eu l'essentiel. Aujourd'hui, Jean-Claude a rendez-vous avec Pierre Beau, pépiniériste de la région, pour acheter de nouvelles variétés de grenades afin de pérenniser son activité. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Pierre. Regarde ce que je t'amène de beau. Ça, c'est beau. Ouais, ça. Il y a de beaux calibres, voilà. C'est super. Voilà, je pose le plateau et puis on fait un petit tour dans le verger pour voir ce que ça donne. Avant sa rencontre avec Jean-Claude, Pierre produisait essentiellement des figuiers et n'avait que 5 ou 6 variétés de grenadiers sur son verger. J'ai connu Jean-Claude il y a une dizaine d'années, quand il a planté ses premiers vergers. Il est venu me voir à ce moment-là avec ce projet que j'ai trouvé un peu fou, parce qu'il n'y avait pas de grenadiers du tout dans la région, et ça a vraiment été le premier à lancer ça. Et puis, grâce à Jean-Claude, je me suis intéressé aux grenades. Et depuis 10 ans, j'ai récolté une 60aine de variétés. Mais très douce, oui. Ça vient de chez toi, hein ? Je sais. Les grenadiers qui poussent ici viennent essentiellement du verger de Pierre. Ils font le point sur leur évolution. La grenade qui se fait remarquer, c'est la Provence, dont Jean-Claude vante particulièrement les mérites. Elle se cramponne de Mistral. Elle résiste au froid. Elle résiste au froid, ça c'est important aussi. Les conditions météorologiques sont l'une des raisons pour lesquelles Jean-Claude aimerait développer sa palette de variétés, en espérant pallier les problèmes qu'il a subis cette année. Pierre réalise des tests sur ses grenadiers afin d'observer leur adaptation aux conditions de culture de la région et leur capacité à donner des fruits de qualité. Il en a apporté une bonne vingtaine qu'il propose à Jean-Claude de goûter, dont la Sogdiana, l'une de ses préférées. Pierre, c'est vraiment une bonne grenade, ça. Je crois qu'elle va rentrer non seulement pour la grenade de bouche, mais pour faire un composé pour mon jus, ce sera pas mal, ça aussi. Les nouvelles variétés de grenades proposées par Pierre arborent des couleurs vives et se démarquent par leur douceur en bouche et leur pépin très tendre. Comme cette autre variété, la Sirenevi. Point de vue extérieur, elle est magnifique, hein. Ah ouais, c'est super. Le grain est très beau aussi. Très beau aussi. Hein. Elle vient d'où, ça, Pierre ? Ça, c'est une grenade qui vient d'Azerbaïdjan. D'accord. C'est magnifique. Les arilles sont belles. Et elle reste très, très douce aussi. Le pépin est très tendre. L'engouement actuel autour de ce fruit est tel que des produits de très mauvaise qualité garnissent les étals au point d'en décevoir le consommateur. Jean-Claude souhaite ouvrir un réel marché de la grenade. Dans un même magasin, on pourra présenter, comme pour les pommes,
plusieurs variétés. C'est pour élargir la gamme dans les points de vente et offrir au consommateur une palette de goûts qu'il appréciera. Bon, de toute façon, on va avoir un beau panel. Là, c'est bien. Je suis content. Selon leurs caractéristiques, les variétés de grenades sont destinées à des usages différents. Ici, dans le laboratoire de la cuillère gourmande, Frédéric Fontevieille récupère les grenades de Jean-Claude pour en faire de la gelée. La variété utilisée aujourd'hui est la fameuse Mola Delce. C'est une variété que je ne connaissais pas. Donc, ils sont d'un calibre très intéressant. Et vous voyez les grains de la grenade, les arilles, qui sont très très belles. Ici, Frédéric travaille de manière traditionnelle, à la main, dans ces bassines en cuivre qui ne peuvent contenir que 7 à 8 kilos chacune, ce qui oblige à ne faire que de petites quantités. Le jus de grenade y est porté à ébullition et du sucre lui est ajouté avant de chauffer à nouveau. C'est là où on commence à sentir les parfums de la grenade. On sent très très peu d'amertume dans cette grenade par rapport aux autres grenades qu'on peut travailler. Là, c'est vraiment un parfum très intéressant. Encore un peu de sucre et Frédéric ajoute du citron pour la conservation et de la pectine permettant au mélange de gélifier. Il ne reste plus qu'à le mettre en pot en attendant qu'il refroidisse et durcisse. Alors ce que j'apprécie dans cette grenade, on peut le comparer ici, ça, il y a un très très bel éclat, une brillance du fruit et une brillance de la gelée que je ne retrouvais pas sur le précédent essai. Là vraiment on a une robe un petit peu comme un vin qui s'annonce quelque chose de très très bien et de très goûtu. Là on retrouve vraiment toute la puissance de la grenade qu'on a pu sentir à la cuisson ou lorsqu'on a extrait les arilles. Un très bon produit, sans aucun doute. La demande de produits à base de grenades est en augmentation, pour son goût et pour ses qualités antioxydantes. Mais ses vertus se trouvent majoritairement dans la peau du fruit qui n'est pas utilisée dans la gelée. C'est pourquoi Frédéric travaille sur de nouvelles recettes à développer. Je démarre depuis cette année des essais pour essayer de trouver la bonne recette de la grenade. Il faudrait pouvoir faire une gelée du fruit complet, avec son écorce, là où on trouve le maximum d'antioxydants. Mais par contre, c'est là où il y a le plus d'amertume. Donc l'idée, c'est de l'associer avec un autre fruit pour pouvoir avoir les antioxydants et ne pas avoir cette amertume qui peut paraître comme trop importante pour les consommateurs. Aujourd'hui, Guillaume reçoit sur son domaine Éric Morgan, caviste et négociant en vin. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue au château de Bosque. Merci, c'est gentil. Éric est spécialisé dans les millésimes rares et anciens. Cette appellation de vin de garde sans sulfite ajouté suscite donc son intérêt et sa curiosité. On va aller déguster les vins et puis tu me diras ce que tu en penses. Ouais, très bien, avec plaisir, je te suis. Merci beaucoup. Donc voilà le caveau avec la... Guillaume lui montre ses bouteilles et n'hésite pas à lui raconter le chemin parcouru pour en arriver là, y compris ses premières expériences peu concluantes. Je les ai même pas mis en bouche parce que je te sers rien. Le truc qui sent le vinaigre, l'autre qui fermente et qui met tes oreilles, ça bulle encore. Non, merci. Au cours de la dégustation, Guillaume ouvre des côtes du Rhône sans sulfite ajouté de plus en plus anciens. Il commence par un millésime de 2016, très frais et fruité, puis par une bouteille de 2015. Ouais, c'est pareil, c'est bien charnu, beaucoup plus de rondeur sur la bouche. Ouais, les tanins se sont un petit peu plus arrondis. Plus fondu aussi. On sent que le vin a mûri un petit peu plus en bouteille. Merci. Guillaume débouche ensuite une bouteille encore plus ancienne, de 2013, pour montrer à Éric l'évolution de son vin. C'est très bon, c'est un beau potentiel de garde. C'est pas du tout au niveau d'un Côte-du-Rhône classique. Quoi. À un moment, il faut être simple, c'est juste très bon. Merci. Éric est agréablement surpris. Merci à toi. Et envisage même de commercialiser les vins de Guillaume. Venir découvrir ce qu'on a pu goûter aujourd'hui, voilà, on est sur du vin sans sulfite, qui est peu commun, du moins dans le qualitatif et dans le potentiel de garde. Et là, clairement, pour moi, c'est des vins qui ont au moins 5 ans devant eux, 5 à 10 ans devant eux, ouais, sans problème. Ouais, très belle découverte, chouette vin, et puis d'autant plus un vigneron sympa et passionné, ce qui ne gâche rien. Il y a quelques années, les consommateurs étaient encore très réticents face aux vins sans sulfite ajouté.
mais ils sont aujourd'hui plus attentifs au respect de l'environnement, au bien manger et au bio, des valeurs auxquelles le vin de Guillaume fait écho. Les gens accrochent beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a une petite dizaine d'années. Et c'est vrai que c'est quand même pas déplaisant, parce que du coup, le produit est là, il est de qualité, je pense, et il est reconnu et les gens l'apprécient. Aujourd'hui, c'est la fête de la gastronomie à Marseille, l'occasion idéale pour Jean-Claude de promouvoir ses produits. Il tient le stand avec sa femme et propose des dégustations autour de la grenade aux passants. Ben goûtez celle-ci. Pas du tout, mais c'est pas le même goût. Alors d'habitude, nous ne faisons pas de marché, mais là, c'est la fête de la gastronomie et on nous a demandé si gentiment de venir. On n'a pas pu refuser. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on ne le regrette pas. Bien au contraire, parce que les gens sont très curieux et puis ils sont tous surpris qu'on fasse de la grenade en France et quand on les fait déguster, ils trouvent que c'est extraordinaire au niveau du goût. Trouver de la grenade lors de ce genre d'événement est peu commun. Le fruit attise la curiosité des visiteurs, alors Jean-Claude et sa femme en profitent pour les informer. On n'appelle pas ça des grains, on appelle des arilles. Dedans, c'est plein de jus, prends-le. On y met une fertilisation aux algues. Sans blague. Voilà, donc... Tout naturel. Nombreux sont ceux qui pensaient déjà consommer de la grenade dans leur enfance. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Moi, je voulais goûter ça parce que j'ai une mauvaise idée de la grenade à cause du sirop de grenadine. Mais madame, dans le sirop grenadine, il n'y a pas de grenade. Mais ça ne m'étonne pas du tout, madame. Et est-ce que vous avez pensé à faire ce sirop de grenadine qu'on prend quand on est gamin? Je sais. Alors, même quand on a été gamin, on nous a roulé la farine. C'était pas de la grenadine. C'était un mélange d'arômes artificiels, plus de fraises et de sucre. Parce que la vraie grenadine, on dirait un sirop de grenade. Il faut remonter à 150 ans à peu près. Et oui, la grenadine que l'on connaît est en fait un mélange de fruits rouges qui ne contient pas de grenade. Jean-Claude et sa femme sont conquis par ce système de vente au plus près des consommateurs. Aujourd'hui, c'est une vitrine pour nous, en région marseillaise, parce que c'est la première fois qu'on vient sur Marseille, et donc ça, c'est formidable. Ça se vend bien, quand même. Hein ? Tu as du succès, hein ? Jean-Claude et Guillaume semblent avoir pressenti bien avant les autres l'intérêt actuel pour leurs produits. Face à cet engouement croissant, la concurrence se développe doucement. Mais ces précurseurs ne devraient pas s'en inquiéter. Ils parviendront à se démarquer grâce à leur expérience, leur philosophie et leurs petits secrets. Aujourd'hui, je vous cuisine un foie gras de canard poché aux côtes du Rhône, jus de grenade, au safran. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra pour le foie gras aux côtes du Rhône, un lobe de foie gras de canard de 500 g, une bouteille de vin de côtes du Rhône. Pour le jus de grenade au safran, une grenade, 2 g de maïzena, 0,15 g de safran en poudre. Pour le raisin confit, 28 grains de raisin muscat, soit à peu près 200 g, 150 g d'huile d'olive. Pour les figues rôties, 4 figues violettes, 20 g de miel d'acacia, 20 g de beurre. Pour la tuile aux cacahuètes, 60 g de beurre, 60 g de sucre, 150 g de lait, 150 g de glucose, fleur de sel et 75 g de cacahuètes. Il est vraiment important dans cette recette de choisir un vin sans sulfite. À défaut, choisir un vin d'une belle qualité dans cette région de Côte-du-Rhône. Pour le foie gras aux Côtes-du-Rhône, réservez 60 g de vin pour les figues, puis pochez le lobe de foie gras de canard dans le vin restant à 80 degrés pendant une vingtaine de minutes. Sortir le foie gras du vin et le faire refroidir à température ambiante. Découpez 4 belles escalopes en prenant soin de retirer les veines restantes et les assaisonner. Afin de vous faciliter la tâche pour le dénervage, vous pouvez laisser quelques minutes votre foie gras au réfrigérateur. Pour le jus de grenade au safran, coupez la grenade en deux et récupérez les graines. Passez les graines au moulin à légumes afin d'en extraire le jus et en réserver 225 g. Dans une casserole, mélangez le jus de grenade avec la maïzena, ajoutez le safran et salez. Portez à ébullition, cuire 3 minutes, puis mixez, rectifiez l'assaisonnement et passez au chinois étamine. Pour le raisin confit,
retirer les pépins des raisins. Mettre les raisins sur une plaque avec de l'huile d'olive et les faire confire à hauteur dans un four à 110 degrés pendant une heure. Pour les figues rôties, nettoyer les figues, les couper en deux dans la longueur. Dans une poêle, caraméliser le miel et colorer les demi-figues. Déglacer avec le vin rouge et ajouter le beurre. Pour la tuile cacahuète, réaliser un beurre pommade et ajouter le sucre. Dans une casserole, faire chauffer le lait et le glucose. Mélangez le tout, ajoutez les cacahuètes hachées. À défaut de cacahuètes, vous pouvez utiliser les graines de grenade pour la belle tuile. Étalez la tuile en une fine couche sur une toile de cuisson en silicone et cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 10 minutes. Une fois la tuile bien colorée, la sortir du four et parsemer légèrement de fleur de sel. Pour le dressage, dans une assiette, déposez la tranche de foie gras, les raisins et la figue rôtie. Faire quelques points de jus de grenade au safran et déposer un morceau de tuile. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.